Salut à tous, c'est Nezix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo top 10 des pires tatouages. Je vais tenter d'envoyer cette vidéo à deux chaînes communautaires qui sont Le Bon Plan du Geek et La Play Geek TV. Donc pour le gameplay de fond, c'est un petit live détente sur GTA, pardon, avec des vies et des abonnés. Donc on va pas tarder, on va tout de suite commencer par la 10ème place. Donc en 10ème place, c'est un gars qui a perdu un pari et donc qui s'est tatoué son ticket de McDo sur le bras. Donc autant dire que ça fait très très con. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, même si c'est pour un défi, il est un peu mongol quoi. Allez, on va passer à la 9ème position. Donc la 9ème position, c'est le portrait d'un bébé. Donc le portrait du bébé, il lui a encore ajouté 10 kilos. Il est un petit peu mal fait, comment dire, ouais c'est ça, il est un petit peu mal fait. Bon voilà. Allez, on va passer à la 8ème position. Donc la 8ème position, ça doit être quelqu'un qui a essayé de faire sa femme sûrement. Et autant dire qu'elle ressemble plus à un zombie qu'une femme. On va passer tout de suite à la 7ème position. Donc la 7ème position, c'est un autoportrait d'un couple, j'imagine. Qui me fait bien rire parce que quand même, voilà, il ressemble à un petit peu, comment dire, des mongols quoi, des mongols. On va passer à la 6ème position. Donc à la 6ème position, on a une photo d'un mec qui s'est fait tatouer deux jambes. Donc j'ai bien, je pense que vous avez compris le sens de ce tatouage, mais bon, c'est un peu débile quand même. À la 5ème position, c'est un truc qui m'a bien fait rire, c'est un petit bébé. Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer le portrait de son bébé, et son bébé, comme il y a marqué sur la photo, ressemble plus à Voldemort qu'à un bébé. Donc voilà, cette image m'a bien fait rire. À la 4ème position, c'est quelqu'un qui a fait tatouer un chat sur le ventre. Et sur ce chat, à la place du nombril, c'est les fesses du chat. Et comment dire qu'il a pas le nombril très propre, ce monsieur. À la 3ème position, c'est un chauve qui s'est fait des œufs. Donc un crâne d'œuf. Voilà, tout simplement. À la 2ème position, c'est quelqu'un qui s'est fait tatouer un visage sur l'arrière du crâne. Et il a laissé pousser les cheveux pour que ça fasse un genre de moustache. Donc autant dire que c'est très bizarre et c'est très très moche. À la première position de ce top 10, qui m'a bien fait rire, c'est quelqu'un qui a fait les 7 nains. Bon, sur l'image, il n'y a que 6 nains. Et il a fait une porte ou je sais pas quoi avec l'arrêt de ses fesses. Donc c'est complètement débile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et de commenter. Et si je suis sur la chaîne communautaire, n'hésitez pas à passer voir notre chaîne. Ce serait un grand plaisir. Et je vous dis ciao ciao tout le monde.